Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble le pressostat sur un lave-linge. Je vais vous expliquer son rôle, comment le tester et quelle panne il peut engendrer lorsqu'il est défectueux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça nous encourage à faire d'autres vidéos. Le rôle du pressostat est donc de mesurer le niveau d'eau qu'il y a dans la cuve. Lorsque la machine se remplit, l'air va être comprimé, va passer à travers une durite qu'on appelle la durite pressostatique qui est branchée ici. Et donc ça va pousser une membrane qui est à l'intérieur, une membrane en caoutchouc, qui va donc activer un contact. Alors donc là on veut mesurer donc un changement d'état, donc ça veut dire un contact. On va se mettre sur la position ici continuité avec le bip sonore. Et donc en théorie, lorsque vous mettez sur un contact et que vous soufflez là-dedans, donc ça doit activer la membrane et faire un contact. Si vous n'entendez pas la membrane s'activer ou si vous n'avez pas du tout de contact sur aucun débranchement, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que le pressostat soit défectueux. Attention, ce test-là est effectué que sur un pressostat électromécanique comme celui-ci. Donc il y a une forme qui est bien particulière. Si chez vous, vous avez un lave-linge avec un pressostat comme ici, qu'on appelle un pressostat analogique, il ne faudra pas le faire car ça risque de le dérégler, voire même de le rendre complètement défectueux. Donc faites attention. Alors le pressostat va être à remplacer si vous avez des problèmes de remplissage ou si vous avez un message d'erreur qui apparaît sur votre lave-linge qui indique que l'eau n'arrive pas correctement. Avant de remplacer ce pressostat-là, bien sûr, il faudra contrôler que l'eau arrive bien physiquement dans la cuve. Que vous n'ayez pas plutôt un problème d'électrovanne ou de tuyau d'arrivée d'eau. Nous avons vu ensemble le rôle de cette pièce. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça nous encourage à faire d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Sparaka.